I always knew Taurus would offer a new beginning for the United Earth Coalition. What I didn't expect was that it would close a chapter of my own life. An extrasolar, terraformed moon, Taurus held the key to regenerating Earth's dwindling water supply. The UEC's Gaia mission was a hope for all mankind, but had been perverted by the power-hungry Asian-Pacific Alliance. It wasn't just about military might. Everything hinged on who controlled the drinkable water supply. In the end, we were overwhelmed and lost the war on Earth. But the Taurus colony offered a new destiny. Our insurrection there was the final chance to free Earth and restore the former glory of a beaten people. Retreating from this far-flung solar system was never an option. Sir, Captain Aurora is already waiting for you. Tell me this brief is wrong. I'm joining your intel squad for a bullshit disruption op. APA supply chains all trace back to the dead zone. It's up to us to find out what's in there and take it for the UEC. A job for shadows and sappers, so why am I dumped with it? I requested you. We need a battle-hardened soldier to lead some of these kids. Major Harrigan lost an advanced team down there. So expect some fireworks. Calling us for the dance, Captain. Merrick, keep your head straight. This mission could decide the fate of the war. Amazing. I have been waiting for this game for so long. I'll shut up now. Okay, sir. Everybody in place. We can start the briefing. Thanks, Captain. All right, listen. Most of the grunts you see are frontline reinforcements for Caillou and Banku. All we got for this op is a dozen troops. Captain Aurora? Major? The pods will take us to Vulcan Shore in the southwest corner of the Dead Zone. We'll rendezvous on the ground. Aurora and I will be in Pod Gamma. Keep a low profile and secure any visible structures as a priority. Everything clear? Yes, sir! Men, this is our final and only chance to liberate our people from injustice. Now, fight for freedom! Yes, sir! Bonjour, aujourd'hui ce sera une vidéo découverte sur Carrier Command Gaia Mission. Alors je sais pas, Gaia, ça se prononce, enfin avec trois voyelles à la suite, c'est difficilement prononçable, voilà. Donc c'est un jeu d'où j'avais vu quelques campagnes de publicité, je sais plus où, vraiment...
je m'en souviens plus du tout, mais qui m'avait assez impressionné du fait aussi que ce jeu a été développé par ceux qui ont créé Arma, la série des Arma, tout simplement. Arma 3 qui devrait sortir... en fait, je crois qu'il aurait dû sortir cet été, mais bon, bah, peut-être qu'ils l'ont reporté, qui sait, hein, pour améliorer tout ça, blablabla. Enfin bref, donc comme d'hab, j'ai baissé au maximum parce que c'est un jeu qui est ben, très récent, vu que j'enrichis en plus, on diminue le tout divisé par deux, quoi. Donc voilà, donc je vais vraiment découvrir le jeu avec vous. Il y avait une cinématique d'introduction que je n'ai pas pu enregistrer tout simplement parce que ça saccadait trop. Vraiment ça, toutes les 5 secondes la vidéo s'arrêtait, puis reprenait, puis s'arrêtait, du coup en plus ça décalait le son, on entendait des bip 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 de clavier alors que on voyait le gars taper au clavier 5 secondes après, donc ça faisait un gros décalage à la fin. Bon bref, voilà, j'essayerai s'il est possible, si j'avais à trouver une vidéo que j'intégrerai directement avant ou à la fin, cela dépendra de ce que je peux faire. Enfin, si je trouve aussi. Donc, on va faire juste une campagne. Je vais découvrir vraiment la campagne, apparemment. En fait, ce qui m'avait plu, si j'ai bien compris, c'est qu'il y a un mélange de FPS et de stratégie en même temps. C'est le truc qui m'a assez intéressé. Bon, je pense que c'est pas neuf. Hein, le concept est pas neuf du tout. Mais c'est assez intéressant. Avec la musique épique derrière. Allez, faut l'écouter, ça. Allez, les beaux chœurs, les orchestres symphoniques de 150 personnes avec les chœurs de 200 personnes, ça c'est magnifique. C'est tout ce qu'il faut pour faire un bon jeu vidéo. Voilà, donc en gros, cinématiquement, j'ai compris, enfin c'est ce qu'ils ont expliqué, qu'il y a deux coalitions qui se sont tapées dessus. Une a chopé une planète où il y avait de l'eau potable, vu qu'il n'y en avait plus sur Terre, et du coup... C'est les méchants et nous on est les gentils qui allons essayer de récupérer l'eau, enfin la terre, le contrôle de la terre pour récupérer l'eau. Voilà, donc en gros c'est un jeu de stratégie en temps réel, plus ou moins classique. Voilà. Oui, les temps de chargement sont toujours plus longs. J'espère que ça va pas prendre trop de temps non plus, parce que ça serait assez embêtant. Oh, les images de malades, c'est incroyable. Alors si, les gens, ce que j'ai lu en tout cas, n'est pas faux, on devrait normalement se retrouver d'abord en une phase FPS. Alors sur jeuxvideo.com, il s'est fait un petit peu démonter, hein, c'est-à-dire les gens ils s'attendaient surtout voir des graphismes Arma 2, des trucs de la mort qui tue avec une simulation de guerre aussi poussée que d'Arma. Il s'est fait un petit peu démonter de ce côté parce que apparemment c'est pas le cas. Bah, moi je dois avouer que je m'en fous complètement, j'ai bien joué à Arma, il m'a beaucoup plu, mais ils vont pas faire que du Arma, partout Arma... Ils peuvent aussi essayer un peu de se diversifier, parce que sinon, s'ils font toujours la même chose, à la fin, ça devient aussi casse-couille. Puis, on peut pas être toujours bon, faire des graphismes de fou, parce qu'en plus, j'ai l'impression que ce jeu est sorti un peu de nulle part. J'ai pas connaissance qu'il ait eu un temps de développement très long. Enfin, ce que je sais, ensuite, je me suis pas beaucoup informé, donc il se peut tout à fait que je me trompe. Mais bon, voilà. Donc je vais juste stopper la vidéo et on se retrouve tout de suite après le chargement. Voilà, donc hop, c'est parti. Petite cinématique qui va saccader de sa maman. Alors, le son sera complètement décalé, hein, je m'en excuse d'avance. J'espère juste que la cinématique ne sera pas trop longue parce que sinon le décalage sera totalement foireux. Voilà. They're targeting us, sir. What's the plan, sir? Sir? Damn. Hold on. Drop pod should handle the situation automatically. Voilà, c'est bien ce que je disais. Décalage de la mort qui tourne. Ah. Quelques missiles dans votre tronche. Ils vont s'en prendre dans la tronche. Ça va faire mal.
Where the hell? Sir, we crash landed. AA defenses tagged us. Sir, we were lucky. Although Okoro doesn't look so good. Ok, merci madame, vous m'avez sauvé la vie, vous m'avez fait un bouche à bouche à mon casque. Lieutenant, incoming. Coro, get the hell up, now. Take cover, enemy drone. Keep out of sight. Le chef est complètement mort. Ah non, non, il s'est juste évanoui. Bon, malaise. Enfin, c'est un peu bizarre, hein. ils sont censés envahir une planète et ils envoient combien de gars? Je crois pas plus que 3 mecs. Ils sont quand même optimistes les bonhommes, hein. C'est pas pour dire, mais wouh. Ah par contre, je sais qu'on va prendre normalement qu'un pistolet. Au départ on aura qu'un pistolet. Le problème. Okay. C'est que ils ont tous un gros flingue, sauf la fille. Donc est-ce qu'on va être la dadame? Anson, you keep her safe. Me and Okoro will scout ahead and make sure the road is clear. We'll let you know when it's safe. Let's move out. Donc en gros, je vais vous caricaturer la situation. En gros, les méchants ce sont des Chinois. Voilà. Enfin, ce sont des Asiatiques. Vous avez sûrement dû voir que sur l'engin qui a essayé de repérer les quelques survivants, eh bien, il y avait un logo asiatique, un dragon sur fond rouge. Donc voilà, hein, ils font de la caricature. Le problème qu'avec là, ce que je suis en train de vivre, c'est que j'ai un gros décalage parce que j'enregistre. Voilà. Okay. Wow, c'est cool. Donc en fait c'est pas un petit flingue. Understood, sir. Ready when you are. Ouais, c'est vrai que ça s'applique. Bon, je rappelle, j'ai baissé les graphismes au minimum. Alors quand je dis minimum, ça veut dire vraiment, j'ai baissé tout ce que je pouvais, tout, vraiment tout pour que ça roule correctement. Et j'ai pas écouté les instructions quelconques. Du coup, qu'est-ce qu'on est censé faire? D'accord. Sir, incoming drop pod east of us. My God. Ça. Oh my. Oula. Ouf. Oui, 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 oui. Whoa, bloody hell. Okoro, let's keep moving. We need to sort this quickly. Right behind you, sir. Merciless bastards. Bon. D'accord. Dégagez la voie pour. Tu me pousses, c'est ça? Dégager la voie pour Essie. Dégager la voie. D'accord. Je peux pas courir. Donc je suis censé aller. Enfin, je pense. Non, c'est pas par là. C'est pas par là. C'est pas par là. C'est pas par là. J'aurais dû suivre les instructions. J'aurais dû essayer de suivre l'histoire. Parce que là, du coup, je suis en train de vagabonder. C'est pas ça. Est-ce que je... Non, je perds pas de vie. Je peux faire du barbecue d'homme du futur, mais je ne perds pas de vie. Non. Absolument pas. En fait, les munitions... Ah, d'accord, c'est en plein milieu. Ok, pour le moment, ça reste simpliste. C'est vrai que ça peut... Bon, là, en y réfléchissant, ça reste assez simpliste. Hein. Un peu décevant, mais bon, c'est pas si grave. Je veux dire, c'est pas la mort qui tue. Enfin, c'est pas la mort non plus. Puisque le but du jeu n'est pas... Enfin, c'est pas son but principal, c'est surtout de... C'est pas de la simulation de guerre, c'est... Tout... E-N... Ah. C'est avant tout, normalement, une simulation de stratégie. Oh. Ça fait... Roger, on the way. Ah, donc, ensuite... D'accord, ce sont capsules de munitions. Sir, take cover, incoming Manta. Hein? Qu'est-ce qu'il nous dit là? X. Keep out of sight, sir. It hasn't detected us. Reste hors de portée. Okay, it's gone. Looks like it's safe to move on, sir. D'accord. Sir, it looks like that walrus is being held in place.
Maybe you can find a way to free it and get it out of our way. Les gars de Miguel, pour les en fait pour. Bah ouais. Bah oui, c'est, j'ai déjà fait, et qu'est-ce que je suis censé faire à le péter? Libérer le. D'accord. There we go. D'accord, c'est vraiment un tas de. Ah ouais, ça roule tout seul maintenant. Ils ont le GPS intégré, pas mal, pas mal. J'adore ça, j'adore. Ah, j'ai vraiment impatience d'être dans le futur. J'ai vraiment impatience d'être dans le futur. Moi, bien parler français, oui, c'est sûr. Comment est-ce que je pourrais dire ça? Je suis impatient d'être dans le futur, voilà. Phrase complètement idiote, puisque... Le futur, on ne l'atteint jamais. Ah. Je peux pas passer ici? Non. Apparemment pas. Ah, d'accord, c'est vers là-bas. C'est quoi si je te tire dessus? Ah, par contre, on retrouve bien les mouvements assez étranges des personnages qu'on trouve dans Arma. On dirait qu'ils sont légèrement ralentis. Ça, on le retrouve bien. Alors, est-ce qu'on peut sortir... Hanson, Essie, we're at the rendezvous point. All clear. Understood, sir. On the way down. Oh, and I couldn't locate Aurora. I'm sure she's fine though. Mais oui, c'est se trouver dans le truc qui s'est fait complètement sprocher contre la montagne, mais oui. Je suis sûr, je suis de tout cœur avec toi. Je suis sûr qu'elle s'en est sortie. Par contre, les cactus, on dirait des pénis. Non, j'ai gueulé, on dirait pas des pénis, mais ils sont assez drôles. Bon, c'est normal, j'ai baissé tout max, donc forcément, c'est du gros caca. Next. The command center should be on our right, amongst the trees. There. McCormick, mm-hmm. Anderson, you know what to do. When you're done, report in. Got it! Okay! You get back down before the APA tracks opposition, and this whole thing goes pear-shaped. Shit! Essie, get down! Ah. Bloody hell, where was that from? Aha! There! There! There. Ah, ce sont des robots? Bon, c'est des unités de surveillance. Wouhou! Essie, up, up! We need to get the hell out of here! Ok, ok, ok! Yeah, 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 yeah! Alors. Okoro here, we heard an explosion. What's going on? Rejoindre le porte-avions. Ok! Comment est-ce qu'on fait pour courir? Ils sont pas solides ces machins. Normal, c'est des appareils chinois. Alors, allez, allez, allez. On fonce, on fonce, on fonce. Alors, attends, est-ce qu'on peut prendre un raccourci ou alors... Non, on peut pas sauter. Je me souviens plus, est-ce que normalement on peut sauter? Ah, juste, j'ai pas suivi le dialogue. Incoming, Essie, run! Saleté! Comment est-ce qu'on se... Ah d'accord, en fait là, les armes elles surchauffent. Oula. Oui, oui. Ah, t'es pas pressé madame, hein. Tu viens pas avec moi? Eh merde, premier bug du jeu. La dame elle veut pas venir avec moi. Je suis censé faire quelque chose? Ah, attends, peut-être ici. Bon. Ok. What? J'ai rien pigé là! Wow, 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 c'est quoi ce bug? Bah oui, elle est morte, mais elle est conne aussi. Elle se met contre le mur et elle croit que ça la protège! Allez! Petite coupure, je vous retrouve tout de suite! Sir, Okoro here, we heard an explosion. What's going on? Looks like the fire just started. Understood, do you need help? Voilà. Get to that carrier. Par contre, ce que je trouve qui est un peu mal foutu, bon, ensuite, j'en sais rien, c'est une habitude à prendre aussi, mais le fait que lorsqu'on pointe vers le bas ou vers le haut, l'arme ne suit pas. Bon, c'est un petit détail, hein, mais. Incoming, Essie, run! Tiens, prends ça, santé de merde! Vite!
Run! Je run moi aussi. En fait, je sais pas vraiment si je cours. Ouais, j'arrive. Il revient par ici, mais il est débile. Peut-être parce qu'il faut... Ah d'accord, il fallait que je me mette à l'intérieur. Ok. Ok, bon bah alors j'avais pas compris en gros. Putain, je peux pas bouger? Impossible que je bouge. Bref, allez hop, avance. D'accord, personne. Bloody shithole, if you ask me. Let's move on. Okay. We need to get that open. Looks old. There must be an operating panel close by. D'accord, donc on va devoir se taper un petit chemin. Tranquillou. Alors, où est-ce qu'il est ce petit chemin tranquillou? Ah, le voici, ce fameux panneau. Vous venez de recevoir un SMS. Ah bon? Pip, 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 pip. Ouais. Donc, fais pas l'idiote, hein. Mirik, watch out! Quoi? Huh? Damn! Essie, don't worry, I'll get you out, just... No time, Mirik. Head on, up ahead should be an old processing facility. Make your way through until you reach an underground tunnel. Allez, ici. Use that to reach the command center. I'll find another path, don't worry. Wow, you really made use of that laptop. Anyway, see you there. Take care of yourself and stay out of trouble. Okay, sir. Bye. Ok. Bon. Sauvegarde. Fastoche. Ouais, c'est peut-être aussi parce que j'ai mis un fastoche. Et sûrement aussi parce que c'est le début. Oh, punaise. Où est-ce que ça venait, ça? Voilà, donc en gros, on ne recharge plus les munitions. Comment dire? Toutes les munitions sont déjà stockées dans l'arme. Mais c'est juste le réchauffement qui nous fait stopper. Bon, jusqu'à ce qu'on ait plus de munitions aussi, évidemment. Hop, 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 hop. Aïe, 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 aïe. Ah, on a un droit à un viseur automatique à ce que je vois. Par contre, ces armes sont vraiment... Enfin, les ennemis sont un peu pâteaux. Hein. Mais bon, c'est le début, donc... Je pense que s'ils avaient mis quelque chose de bien convaincant, on serait vite fait démonter. Hein. C'est aussi pour cette raison. Ah, donc il faut rester à côté. Ok, on appuie et on reste à côté. Ah non, il faut rester visé dessus. Ah ah. Ok. Hop. Encore un message. Décidément, ils aiment bien les bruitages Samsung. Hein. Pip pip. Je suis sûr qu'ils ont tous des portables Samsung, c'est pour ça. Hop. Ouais, je sais pas. J'avais une drôle d'impression, mais enfin bon. Rien du tout. Et on peut pas viser au fait. Non, clic droit. Ouais, on peut viser comme ça. Bon, en gros, la lunette, elle ne sert à rien. Strictement à rien. Hop. On me la fait pas, moi, celle-là. Dans tous les jeux, il y a toujours un gars qui fait semblant d'être mort. Hop. Aïe. Je suis surtout curieux de savoir si on peut mourir en tombant. D'une certaine... Oh, putain. C'est moi ou ça tremble? Oula. Non, j'ai l'impression que c'est... C'est la marche qui est complètement défectueuse. Enfin bon, c'est un peu normal aussi les changements qui sont... Qu'est-ce que ça fait? Qui sont... Changements qui sont un petit peu... Voilà. Qui sont un peu abrupts, les changements de lumière et d'ambiance, parce qu'il n'y a pas de transition. Vu que j'ai baissé, comme je vous ai dit, au maximum les graphismes, ça fait des cubes comme dans Minecraft. Ça, c'est quoi ça? Pourquoi je peux pas? D'accord. Ok. Ah, passage.
chouette. Tenez, saleté de robot de Nyakwe va. Réplica de robot Nyakwe. Ça va pas exploser. Ah bah non. Oh. Ah bah non, t'es déjà mort. Ok. Oh, ça a l'air plutôt pépère pour le moment. Ah d'accord, donc il faut que cette porte se ferme et l'autre s'ouvrira. D'accord. Oula, pourquoi le caillou il a bougé là? Bon, pour le moment, c'est vrai que c'est un petit peu brouillon, hein, mais étant donné que j'ai pas l'impression qu'ils aient passé beaucoup de temps dessus et le fait que j'ai baissé, comme d'hab, ça fait au moins la quatrième fois que je veux dire que j'ai baissé le graphisme au maximum, ben, ça ne joue pas vraiment à la faveur du jeu, hein, comme je vous ai dit. Pour profiter d'un jeu au maximum et pour pouvoir le juger, il faut vraiment profiter tout au maximum, avoir une très bonne machine, comme ça. On peut voir vraiment ce que le jeu est capable là, je lui dis directement au jeu d'être au minimum de ses capacités, donc forcément, quel que soit le jeu, ça sera de la merde. Le jour où j'aurai un bon ordi, bah, je ferai tourner tous les bons petits jeux comme ça au max. Je suis pas super bon, mais pour le moment, j'ai l'impression de leur péter la tronche, mais comme pas possible. Hop. Ah, c'est la porte du temps, quoi. On joue à Stargate. Oh, punaise. Ah ouais, heureusement que j'avais de bons réflexes. Hein. Sérieux, dans quel sens? Oui, suivre le tunnel, mais dans quel sens? Ouah! Ouais, par contre, ça c'est pas mal, ça. C'est mignon. Ah, c'est pas par là. Ok, je me suis complètement planté. Allez, hop, on se presse. Le prochain, je vais me prendre, mais vénère. Ça va me faire mal aux faces. Hein? Vite, sous terre! Ah, bien évidemment, à ne pas tenter chez soi. Très déconseillé. Suivre le tunnel. Ok, ok, ok. Ça a l'air facile comme ça, mais en fait, ça l'est pas du tout. Attendez. J'espère que c'est pas dans l'autre sens, puisque là, vu qu'on puisse pas courir, je crois qu'en fait, il faut vite faire sortir. Vite, 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 vite. Non ? Sérieux ? C'est quoi ce what the fuck. Oh. Qu'est-ce que je suis censé faire alors? Vert. Qu'est-ce que ça indique? Je vais mettre ici hein. Non. C'est passé. Rouge, qu'est-ce que ça veut dire? Suivre. Attends, j'ai pas compris. Survivre au tunnel ferroviaire. Je sais pas, je suis censé. Je suis censé faire quoi là? Je comprends pas. Survivre au tunnel ferroviaire. Peut-être qu'il faut passer de l'autre côté. Donc en gros, on va attendre ici bien sagement. On va attendre que
là-bas. Cela ramène. Allez, allez, allez. Dépêche-toi. Voilà. Je me promène dans les métros à peu près parisien. Pas de choses près. Hein. On va attendre qu'il passe. Je suis sûr que ça va pas tarder. Ouais. En fait, c'est le même. c'est le même. Je sais pas comment on appelle ça, tram-train. En tout cas, là où j'habite, on appelle ça des tram-trains. C'est pas bon, c'est pas dans les tunnels, mais c'est à la surface. Je sais pas. Ouais, le train. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Par contre, je trouve que ça un peu casse-pied, mais bon. Je vais te faire dérailler, tu vas voir avec mes balles là. Je vais te les mettre sous les rails. Non mais oh. Moucheron. Un peu de musique. C'est qui ça? Comment ça la fait pour revenir ici? Bah non, t'inquiète. Putain, le son. Il s'est arrêté complètement. Ah, d'accord. Je bute contre un. Hein? Pi. Si. Le. Hein? Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu me dégages? C'est moi qui l'ai arrêté, bien évidemment. What the hell? You are full of surprises, Essie. Et les gens là-dedans, ils auraient remarqué, hein. Mais ils vont râler, hein. Grave, mais tu vas voir l'association des. Des gars enragés de la NCCF, hein. Des clients enragés de la SNCF. Allez hop. Bouge tes fesses, allez. On est en guerre. Elle ouvre les portes par télépathie maintenant. Tu m'aideras là, là. Bon, je sais pas pourquoi, mais... Cheveux courts, non. Non, non. That's the command center up ahead, sir. Excellent, let's go. Wow. Droids. Où ça? Ma vis automatique, je leur fais la fête. Et voilà! Je fais du sniper avec une arme d'assaut. Ouais! Je suis un tunnel, suivre. C'est bon, ouais, c'est déjà ici. Wouah! C'est quoi ça? Bon, c'est pas là-bas. Il y a encore quelqu'un qui est vivant. Je sais pas qui. Oh, bon, c'est pas grave. Voilà. Je m'introduis dans une base. Donc en fait, c'est pas qu'on des robots. C'est pas des chinois. Enfin, j'ai pas l'impression. Là, pour le moment, c'est que des robots. Là. Oh. Quelqu'un qui vient. Non, j'ai gagné, c'est le canon. Alors, je suis censé aller où moi? D'accord, désactiver le canon. Ah, c'est à l'intérieur. Ok. Donc, essayer de m'embêter. Trop facile. On va se mettre un peu sur la hauteur. Ah! On va pas prendre le canon. Oh si, en plus. J'ai l'impression que c'est... Ah non. Ça tire juste au... en l'air. Dommage. Ça aurait été assez drôle. Ça aurait été assez drôle si on... Non, je n'aurais pu le contrôler. Tiens, ça a été de Mika avant. Voilà. Faut peut-être passer par où, je pense. Non.
shield restored. C'est peut-être aussi parce que j'ai mis en facile. Peut-être aussi ça. Ah, y a pas moyen de désactiver ce. Bon, je crois qu'on va devoir passer par haut alors. Donc j'avais raison. Aïe! Oui. Mais bon, c'est comme dans. Ah. Pas le temps de faire quoi que ce soit, le gars il s'est pris une patate dans la tronche. Top, do, 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 dom, dom. Param, pam, 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 pam. C'est même pas là. Ok. Bon, en fait, faut suivre la colonne d'ennemis. Eh, mais les vivants ils bougent. D'accord, donc je sens qu'on va devoir faire péter pas mal de choses. C'est rien qu'une intuition, bien évidemment. Aïe. Ah bon? Ah, c'est pas comme si on était dans les bases ennemies, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, je suis mort. Oh my god, oh my god. Oh. Ah, donc en fait, c'est une usine à robots et c'est de là qu'il les contrôle. Ah. Et là. D'accord, donc on aura le droit aussi à des zigouiller quelques Sir, êtres humains. From the command center data records, there should be a functioning carrier walrus nearby. These walruses are made with special adjustments, so they can be docked and controlled from the carrier. Since the island is ours now, we should take it and make use of it. Alright, the way you think, Essie. Nice work. Let's get us a walrus. Ah, ça commence à être intéressant. Parce que je pense que le Valrus, vu qu'on avait de vue une carcasse. Oh, mais tiens, maintenant ils sont bleus. Ah, parce qu'en fait, les robots n'ont pas vraiment d'appartenance propre. C'est-à-dire, si ce centre appartient à des méchants, ben, ce sont des robots rouges. Et si ça nous appartient, ils deviendront bleus. Voilà. Vachement intéressant, ça commence vraiment à. Titiller la curiosité là. Déjà qu'avant c'était déjà bien, mais maintenant. Par contre, ce qui est chiant, c'est qu'on peut pas sauter. Ah, ça je déteste. Ah, ça je déteste, j'ai l'impression d'être collé comme une limace au sol. Une, deux. Un peu vite, colonel. Putain, c'est vachement rouillé. Hein. Je sais pas quand ils ont fait les dernières révisions, mais. Ils n'ont pas fait la première révision des 10 000 km. Ah bah tiens, bah voilà. Maintenant ils sont copains. Hé, hey, salut les bonhommes. Et j'ai booté un de. C'est quoi leur pistolet? Ah, j'adore. On dirait des pistolets. Avec bonbonne ou. Pistolet à eau. Et hop. Awesome! This is what I'm talking about. Let's take it for a spin. Eric, please drive carefully. Je peux pas tirer avec. D'accord. Je suis censé me faire quoi? Ok, ouais, je sais. S'emparer du porte-avions. Oui, tourner la tourelle, ça j'avais compris aussi. Je suis pas teubé. S'emparer du porte-avions, mais. Ouh! Ah! Alors, parce qu'en fait, il se distingue pas trop. 872 mètres. D'accord, bon, bah, je suppose qu'on va devoir prendre le pont. Donc à gauche. Voilà. Raté. Complètement à l'ouest.
parfait. J'ai pas pris les pylônes. Oh, avec la musique en plus. Oh, c'est épique. En fait, c'est une ligne de force speed. Alors, attends, ok. Oula, je crois. Peut-être qu'il fallait passer par-dessous. Oh, mince. Il fallait passer en dessous du pont. Franchement, il faudrait un GPS. Tournez à gauche. Le porte-avions à détruire se trouve à votre droite. Le GPS des militaires. Ouais. Par contre, la conduite, elle est pas si mal, franchement. Un véhicule qui répond bien. Bon, je vais essayer de voir dans les options. Options. Alors, comment? Je suppose que ça doit être ça. Non, ça doit être ça. Alors, je veux juste voir si je peux pas changer de vue. Alors, encore tirer 50 mètres, vision libre, alt gauche. Zoom, changer de caméra, C. D'accord, je vais essayer. C'est pas terrible en fait. Ah, la tourelle, mais y'a rien, y'a aucune tourelle. Moi je m'attendais à avoir une mitraillette. Bref, c'est pas grave. Non, parce que sur la petite image en haut à gauche, hein, vous voyez bien que ça sous-entend qu'on ait quelque chose, une tourelle pour tirer. Donc là, que dalle, on a rien. C'est-à-dire, si on se retrouve contre des méchants, on va se faire défoncer l'anus. À la Nice. J'ai le mot pour grave, je sais. Ouais. Bonjour, casserole. Bonjour, Becky. En fait, c'est pas les deux. Comment ça, c'est bien qu'on peut grimper là où on peut pas aller à pied. Alors, attends, est-ce qu'il peut... Bon, on va pas aller plus loin, hein. Ah, pas mal les effets des gouttes d'eau sur l'écran, c'est bien ça. Ah. Ah bah apparemment il peut aller. Ouais bah c'est un amphibie hein. Quoi de... Je compte la construction est un peu chelou. Hein. Construise d'abord le toit et ensuite... Qui est en dessous? Bon. Ma foi hein. Aller triomphalement. Yeah. Aïe, il est bien. F. Ah. Ça rime au portail. Ah, d'accord, faut aller passer par l'eau. Hop là, je peux. Ah, il s'ouvre déjà alors. C'est un truc ennemi, non? Docking a Warus into the carrier. Wow. Wonderful, sir. Out. Lieutenant. What's the status of the carrier? Dans un piteux état. We'll need to repair several onboard systems, not to mention the armor. Hmm. What about Aurora? Any news? Sir, no one survived from the other pods. Okay. In that case, Essie, head up to the control tower with Anderson and Okoro. I'll search the carrier's interior and meet you there. Okay, sir. No worries, sir. I'll keep her safe. Ne vous inquiétez pas, je vais veiller sur elle. Surtout sous la douche. Alors. D'accord, donc je suis censé balader et puis descendre tout ce que je vois. Parce que là... Bon, où ça? Je vois rien. Place is still hot. Copy, sir. Do you need assistance? No, I'm fine. Take care of Essie. Understood, sir. We'll keep an eye out. D'accord. Balle à l'épreuve des balles. Bug et Bug Academy. J'attends de voir la partie stratégie. Ça serait, je pense, un peu plus intéressant que cette partie qui est un peu... Ah d'accord, c'est un petit peu plus gros celui-là. Il a tout l'air d'être un peu plus blindé. Voilà. Rien. Et ça clignote. Alors, je suis sûr que ça doit être par là. Et non, c'est pas par là, mais c'est pas possible. Je me fais avoir à chaque fois. Attends. La dernière fois qu'il y avait un truc qui clignotait, il fallait juste appuyer. Pourquoi je peux pas?
pas un bouton quelque part? Non. Bon, bah alors on essaie les deux autres portes. Tout droit. Ah ouais, bah voilà, c'était par là, en gros. Ah bah non. Ah d'accord, ça c'est pour dormir. Laboratoire, bref, médic, rien, que dalle. On sort. Ah, donc peut-être qu'il y avait une je sais pas, quelque chose à actionner. J'ai pas remarqué, je suis allé trop vite. Ouf, oh bah punaise. Où ça, où ça? Il y a un truc un peu mieux dessiné que le reste. Est-ce que je peux prendre? Non. Médoc, non. Ça, c'est un peu l'ambiance Far Cry. Que vous verrez un peu plus tard dans le jeu. Non. Alors, peut-être simplement que je me suis trompé et puis que c'est une voie sans issue. Possible aussi. Qu'est-ce qu'on a ici ? Rien. Bon, ben, retour machine arrière. J'étais persuadé quand même que c'était. Ah ! Ici. Je pense que c'était tout simplement par là. Alors, rien. La porte ne s'ouvre pas, donc c'est parfait. Ça nous indique qu'il faut aller directement à cet endroit. Là, on va se faire assaillir. Waouh, c'est quoi ça? C'est pour faire les rayons UV ou quoi? Alors. Hop. Et on va prendre la place du commandant. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Low light levels detected. Illumination unit activated. Ah d'accord, on vient de prendre le commandement du... Waouh. C'est pas mal. Donc en fait j'ai pris le commandement du droïde. Ah c'est génial. Par contre il y a un truc qui cloche quand même. Il est pas censé nous reconnaître puisqu'on a la même gueule que lui. Waouh, il est vachement balèze l'autre là-bas. En gros, c'est pas mal ça. Changement comme. Voilà. Fusil du droïde. Par contre, ils ont une personne. Alors, lui, il est teubé. Il y en a d'autres encore. Je sais pas trop. Ah ! Xbox ! Regardez. Dans l'ombre, on dirait vraiment la boule Xbox. Je sais pas, peut-être qu'il. Peut-être qu'ils attendent avec. Ouais, par contre, une fois que je serai mort, je serai réellement mort. On peut pas prendre les armes qui traînent, non. Bon. Je sais pas, par ici. Même à tirer sans sortir mon arme. Balaise. Balaise. Ça c'est assez ingénieux, viseur automatique. Pas besoin de faire quoi que ce soit. C'est bon? Tout le monde est mort? Yeah, tout le monde il est mort. Bon, j'ai encore des choses à... fouiller ou... Non, je crois que tout le monde est mort. Alors apparemment il faut s'arrêter, attendre. Standing by. Deactivating. Voilà. S'emparer du porte-avions. Ouais, d'accord, c'est bon, j'ai compris. À mon avis, c'est peut-être parce que j'ai pas encore terminé. Hop. Non, j'ai essayé de tester une vue un peu.
D'accord, donc maintenant, si j'ai tué tout le monde, ça va être bon alors. Standing by. Hop, bon, allez, désactivation court. J'aime pas quand il y a deux petites lueurs malsaines qui me regardent droit dans les yeux. Allez hop, on y retourne. Je sais pas. Je pense que j'ai fini, hein. Ou pas. Ah. Alors ça veut dire que je n'ai pas terminé. C'est pas comme s'il nous aidait en plus, hein. Attends. Peut-être que là-bas, du coup. Ah! Cool, voilà. Alors. Nanana. Non. Cool, réussi. Porte avion, il nous appartient maintenant. On va pouvoir foutre le bordel sur toute cette planète. Alors, je suis désolé si je parle pas beaucoup, c'est juste parce que j'ai mal de tête. Un petit mal de crâne à cause du casque. Casque exceptionnel. Bienvenue à bord, avec tous les câbles à moitié coupés. I will be operating there, and Anderson is in the dock. Your chair is over there, sir. Okay, let's see what we've got. From here on, we won't have to risk our lives directly. The onboard weapons should keep us safe, and the vehicles are controlled remotely. Oh yeah, baby. Oh, ça serait génial. There's an island not far from here, outpost. The APA base is located there, so the next step in our mission is to take it. The base will probably be guarded by armored vehicles, so we'll need to search for some materials to repair our carrier. Sir, carrier comm system. I need to prepare the island map database. Check your screen. D'accord. Excellent work, Essie. Another island. Let's head there and check it out. Une araignée. Une araignée géante. Arachnide. Ah, ouais. Elle ne pouvait que s'appeler comme cela. Alors moi je me demande si je vais en faire d'autres vidéos sur ce jeu. Ça dépend. Si la suite est bonne, ok. Si la suite est... en fait si je me suis bien illusionné, bof. We've managed to partially fix the engines in the hull, and we're working on getting the Walrus docks operational again. Est-ce que je peux tourner avec? These units can be controlled remotely from the control room through a multifunctional display. Cool. Pour ouvrir la carte, appuyez sur le bouton droit de la souris ou sur la touche M. D'accord. Pour l'instant, ce porte-avions, c'est une épave flottante. Bon, allez, j'ai fait clic droit ou M. On va faire M. Bon. J'ai dit M. Oh, je vous jure. Par contre, ça c'est franchement épique. Hein. Avoir un porte-avions pour 3 personnes. Oh, je te dis pas le nombre d'appartes qu'on peut avoir pour soi. Wouh! Et en plus, on peut se déplacer. C'est franchement génial. Bon, allez hop, sors-moi la carte, map. Je comprends pas, ça marche pas. Ouais. Alors, option. Ah ouais, c'est M. Je comprends pas. J'appuie sur M et ça ne marche pas. Je ne marche pas. 2, 3, 4. C'est quoi 0? Ah ah!
contre, on voit les vagues hein, à travers le bateau. C'est les trucs gris. Hein. Ah non, c'est l'ombrage qui est. Oh, d'accord. C'est normal. Normal. C'est normal. Allez hop, M. M-M-M-M-M-O. Ok, bah ça ne marche pas. Et vu que je peux pas conduire et que ça va prendre des plombes. Non, mais pitié, ne me faites pas traverser toute l'Atlantique là. Tant que j'aurais pas activé la carte. Non, mais sérieux. Mais sérieux, les gars. Ah, d'accord, il s'arrête. Tant que j'aurais pas ouvert la carte, on n'avance pas. On stoppe les navires, coupez les moteurs. Le chef n'a pas ouvert la carte. Hop. M. Attends. La touche point virgule est utilisée pour une interaction en président. Hein? Point virgule? Ah, d'accord. Ok, ok, ok. C'est pas M. Voilà. The strategic map displays information that is important for our territorial operations. If an island is displayed only by an outline, information about the island can be displayed by clicking on it. This view is also used for navigation across the archipelago. Bien sûr. Ok, donc on va foutre le bordel de chez Arachnida. Arachnidesh. C'est quoi ça? Bon, bah, the display provides some information about the island, which I'll explain later. But now. Alors, production 0,1, défense réelle, faible. Ok, on va prendre le contrôle. Allez, hop. Ouah, distance autoporelle. Ouah, pas mal, ça. Mais c'est vrai que je me suis demandé combien est-ce que ça va prendre de temps. Donc, on vire la carte. The command bar displays both basic and crucial information about units from the carrier. Carrier. Displays the ship's status and information about the critical level of fuel. Ouais. Walrus. Displays the vehicle status and its call sign. Ouais. Slots for mounting equipment are to the right. The D'accord. Bottom section is reserved for pilot lights that display additional information about the condition of the vehicle. Ok, ok, ok. Bon. Du coup, journal de bord, ok. Alors, Acne doit disposer de pièces dont on pourra se servir pour réparer notre porte-avions. Il nous faut nous y rendre et en prendre le contrôle. Ok. Alors, succès, astuce. En mode histoire, une seule île peut être sélectionnée comme distance. Bien sûr, ouais. Oui. D'accord. Pour ouvrir la carte, appuyez sur le bouton droit de la souris. Bouton droit. Gauche, 3. Ah, j'ai appuyé sur le bouton gauche, excusez-moi. Pour cesser de le contrôler, un droïde arrêté. Eh oui, caméra. En Sir, gros, c'est. Nearly oui. All island units, walruses, mantas, and droids are controlled by an artificial intelligence interface from the command center. We discovered this fact on Vulcan. After breaking into the mainframe and shutting down the central mainframe, we not only deactivated the droids, but also nearly all of the enemy units on the island. Ok. Hop, un petit point de sauvegarde. Parce que je suis sûr que je vais me faire descendre une au moins une ou deux fois. Sauvegarde ne prend pas 50 heures non plus pour sauvegarder, hein, ça m'embêterait un peu. Sinon je risque de m'endormir. Ah. Pas de signal, pas de TF1, pas de TNT, pas terrible, hein. Pas terrible. Ah. It's installed in your walrus right now. We need to get it to the command center. If we gain control of the command center, we would have control over the entire island. It's possible though that some of the units will not be affected and will try to battle until they are completely destroyed. Sir, left dock repaired. This means that the walrus you acquired on Vulcan is now fully available for use. Ouais. Cool. Et donc maintenant, je fais quoi? Je fais 6. To undock a walrus, use the undock button or by directly entering a route in the map. The map can be brought up by pressing the map key. On va prendre la carte et on peut le déployer.
D'accord, mais on va pas aller trop loin non plus. Hein. Ah, chouette, maintenant j'ai droit à mitraillette. Ah, c'est chouette ça. Youhou! Et ça fait quoi si je tire sur mon propre bateau? Porte-avions plutôt. Attaquer la cible. En fait, j'ai pas de limite. Ah si. Oh, c'est dommage. C'était dans le... Allez, allez, allez. Qu'est-ce que je vais faire pour monter là-haut? Ah. Désert. Non. Je sais pas si... Voilà. On va déjà aller là, s'occuper de ça, s'engager pas mal. Quoi? Oh punaise, je sens qu'on va pas s'entendre. Aïe. Non! Ah, j'y vais. Alors. Top. Allez, descend un peu. Execute. If the unit has an active plan, this is displayed by an icon on the control panel. This can be used to easily check if a unit is carrying out a plan. D'accord. Arrimer, suspendre. Bon, je viens niquer le seul véhicule que j'avais à ma disposition. The plan for the unit can be suspended using the suspend function. The plan is not cancelled, but only sets the unit into standby mode. The plan is then resumed by pressing execute. Ouais, c'est bon. Pff, ça commence déjà mal. Enfin bon, bref, on va plutôt dire que ça finit parce que je vais finir la vidéo. Je pense qu'elle a déjà assez duré. Puisque j'ai envie de le tester, mais vraiment tout seul, sans forcément dire des choses à chaque fois que je fais une action. Voilà, donc c'était juste rapidement pour vous le présenter. Alors, évidemment, prendre en compte, et ce qui est pas négligeable, c'est que les graphismes sont minimum. Vraiment au strict minimum, ce qui rend le jeu très moche. Voilà. Donc, si vous avez un ordi un peu plus puissant, ben, vous pouvez le faire tourner avec des graphismes un peu plus potables. Qu'est-ce que je voulais dire? Ben, je crois que c'est tout. Puis on va se retrouver pour d'autres vidéos, bien évidemment, comme d'hab. Like la vidéo si ça vous a plu. On va vous voir pareil. Et abonnez-vous si vous avez envie. Allez, moi je vous dis à ciao. Bonsoir.